L'avantage de Eco Partners, donc c'est une boîte de communication qui est basée en Europe, en Angleterre, mais ils parlent français, c'est tenu par des Français aussi. Ils pouvaient nous aider aussi sur du crowdfunding, là c'était plus pour Seasons After Fall, mais à un moment donné on s'est dit est-ce qu'on va faire du crowdfunding, donc travailler avec eux sur TetroBot, ça permettait aussi de commencer à nouer des relations avec eux. On avait déjà aussi un peu fait quelques contrats par le passé. Et puis, bah, ils sont quand même super agréables. Et puis, c'est un peu du copinage parce qu'on connaît quelqu'un à l'intérieur. Donc, ouais. Mais on a décidé qu'on ne le ferait pas avec eux parce que c'était peut-être trop cher pour nous. Et puis surtout, c'était une époque où on n'avait vraiment pas d'argent. Donc, on s'est dit on n'arrivera pas à tenir le rythme. Mais, ensuite, on s'est dit, bah, cherchons un éditeur. Sauf que bon, on n'a pas vraiment beaucoup cherché, puis on voulait absolument pas travailler avec Bulkypix ou d'autres éditeurs français de ce style, parce qu'ils n'ont pas toujours bonne réputation. Donc on s'est dit, Tiny Build, pourquoi pas. Tiny Build, c'est basé en Europe, il me semble que c'est en Angleterre, et peut-être à d'autres endroits. On connaissait un ancien journaliste qui travaillait chez Tiny Build et dont on avait pleinement confiance. Donc on s'est dit, s'il a été chez Tiny Build, c'est que c'est cool. Donc on l'a contacté. Il nous a répondu d'ailleurs. Ils ont un succès d'édition, ils n'en ont pas beaucoup, on va dire, mais ils en ont un gros qui est Speedrunners, un coop local, et qui, mine de rien, rajoute un peu de shiny à leur logo. Enfin, voilà. On a l'impression que ça peut être un bon éditeur. Et puis, ils sont organisateurs de la Casual Connect, ce qui est pas inintéressant. On a discuté avec eux pendant la Casual Connect, justement, et puis on s'est dit que finalement, on voulait absolument travailler seul, parce qu'on avait envie de savoir ce que c'était de réussir ou de se gameler sur iOS par nous-mêmes, voilà. Comme on a à peu près tout compris. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris cette personne, dont vous ne verrez pas la tête. C'est un freelance marketing qui est basé aux États-Unis. Donc ça nous a arrangé bien pour atteindre la presse US et, comme il habite, il me semble, à San Francisco, pour atteindre Humble Bundle. Il a des bons contacts. Il est orienté indépendant, il a une bonne connaissance du milieu et il est plutôt sympathique sur Skype. Mais super professionnel, c'est-à-dire qu'il est américain, c'est moi qui lui fais perdre son temps, c'est pas lui qui me fait perdre le monde. C'est dès que la conversation est finie, au revoir. Mais il est quand même sympathique. Et donc, on a décidé de prendre un freelance. C'est vrai qu'un des gros atouts pour nous, le fait qu'il vive à San Francisco, c'était le fait de pouvoir être directement en contact avec les gens de Humble Bundle, et donc d'aller les titiller et de dire « Hey, tu mets tes robots dedans, tu mets tes robots dedans. » Alors, ce freelance, par contact, on l'a trouvé à travers... donc Aurélien Regard travaillait aussi, et d'autres boîtes, hein, travaillait avec un freelance aux US. Et on voulait... Oui, c'était John Paulson. Et on voulait travailler avec John Paulson, mais il avait déjà trop de trucs à faire, ou alors ça l'intéressait pas, il n'osait pas nous dire, je sais pas. En tout cas, il nous a dit, bah, j'ai un pote avec qui je travaille, on pourrait essayer avec lui. Et ça s'est très bien passé. Donc on n'est pas déçu du voyage. Première chose qu'on a fait j'avais déjà commencé avec Eco Partners, mais avec le freelance, c'était de créer un fact sheet, donc 4 petites pages pour expliquer ce qu'est le jeu et le donner à donner ce document à la presse et même plus de façon plus sûre à Apple et à Google. Donc une fact sheet, c'est quoi ? Une page où on décrit ce qu'est le jeu avec des jolis mots et puis on les highlight pour bien que ce soit clair. Donc là c'est juste l'explication de ce qu'est le jeu. Avant il y avait une page aussi où il y avait marqué Blogs That Matter, par les créateurs de Blogs That Matter, 300 000 joueurs, tout ça. Donc ça, c'est un endroit. Ensuite on résume les features les principales et on met un petit encart où il y a tout décrit d'intéressant, c'est-à-dire sur quelle plateforme c'est, quand ça va sortir, quel développeur, quel est le genre du jeu, quel sera le prix, voilà. C'est pas la version finale, là. Et la dernière page, c'était, avant-dernière page, c'était les quotes
pour dire regardez l'âge de la presse même déjà. Donc voilà. Mais c'est important de le faire parce que bah, mine de rien, c'est un document qui vraiment vend le projet. Et à la fin, c'était bêtement un slide où il y avait mes contacts et puis la société. On a travaillé aussi, nous, de notre côté, c'est-à-dire qu'avec le freelance, on a fait un plan d'attaque et puis on a travaillé aussi sur les réseaux sociaux de notre côté. Sur les réseaux sociaux, bon, ben, là, en ce moment, c'est vrai qu'on communique pas trop, mais bon, quand il a fallu parler de Tetrobot, on l'a fait. Ce qu'on a fait, c'est quand on a annoncé le jeu, on l'a fait en utilisant un Vine, et là, on a complètement copié ce qu'avait fait Ridiculous Fishing, c'est-à-dire une petite vidéo de 6 secondes qui se répète. Ouais, c'est la version longue de YouTube. Voilà. Dans tes temps. Juste après si j'ai eu Amine. C'est comme ça que ça rentre. Avec la musique de Yann qui est là, qui habite à Montpellier, je ne sais plus où Yann est. Yann qui fait la musique de tout le monde. Humble Bundle, finalement, on l'a eu grâce à notre freelance. Donc c'est un bundle qui faisait PC Android, c'est ce qu'on voulait depuis le début, c'est-à-dire avoir le jeu sur Steam et le jeu sur Android. Et donc voilà, c'était ce bundle-là. Qui a duré 2 semaines. J'en reparlerai après, évidemment. Et donc, bah, on est plutôt bien entouré, puisqu'il y a Terry Cavana avec VVVVV. Titan Attacks, est-ce que c'est Puppy Games? Oui, c'est Puppy Games. C'est des anciens du Xbox Live Indie Game. En gros, on y était en même temps qu'eux, donc on avait déjà échangé un tout petit peu, mais on était content de se retrouver avec eux. Inner World, qui est un jeu d'aventure coolos. Costume Quest, alors là c'est cool, c'est Double Fine, donc ça peut ramener des gens. Et en plus, il faut payer plus que la moyenne pour avoir un jeu de ce gros studio-là, donc c'est cool. Ironclad Tactics, c'est la caution multijoueur, je crois, de ce bundle, donc s'il y a des gens qui aiment le multijoueur, ils peuvent payer plus que la moyenne. Euphloria, c'est un jeu plutôt sympathique aussi. Comment on dit, c'est pas vraiment tout hors défense, mais il faut faire des ressources et emmener des groupes de ressources pour les décimer. Alors Solar Flux, j'avoue, je ne connais pas. Toast Time, je pense que c'est un petit jeu. Je me demande si c'est pas un espèce de runner ou de doodle jump, quelque chose comme ça. J'espère que je les ai pas insultés. Dans Tetrobot & Co, il y a un level, on peut faire des levels, nous soi-même, il y a un éditeur de niveau. Et même si c'est pas présent dans la version iOS, on s'est dit, ah bah c'est le bon moment, pendant le bundle, de promouvoir aussi la version PC. Donc, ça c'est juste une vidéo qui présente l'éditeur de niveau. En fait, quand on édite les niveaux, ça ressemble vraiment à ce qu'il y a en jeu. Quoi. C'est très facile, on voit tout de suite à quoi ça va ressembler. Et ensuite, dans ce trailer, on mettait, bah, regardez, il y a déjà des niveaux qui ont été faits par d'autres. Alors évidemment, les joueurs sont plus sadiques que nous encore. Ils font des Megaman aussi. En pixel art. Et donc, ce qu'on a fait, c'est on a, pendant une période de 1 mois et demi, je crois,
On a dit créez votre niveau sur Steam Workshop, publiez-le, envoyez-nous le lien et vous pourrez gagner des bons de 50$ sur Amazon. Alors, c'est le freelance US qui a pensé que c'était bien. Et je pense qu'en effet, c'est bien pour les gens. Enfin, bah, ça vise complètement les Américains et les Européens. Donc on n'a pas à discuter ça. Enfin, on aurait pu offrir autre chose, mais c'était plus simple. Et surtout, c'était pas physique, donc ça ne demandait pas non plus des coûts astronomiques, à part bah, 50$. Et ensuite, on incorporerait les niveaux dans le jeu. Donc les niveaux, ils vont être sélectionnés à la fin de la semaine, enfin. Et ensuite, ils seront incorporés dans le jeu, j'espère, en juillet. Mais bon, quand on donne des dates, donc voilà. Donc c'est pas la peine de le faire, hein, ça va être bon. Alors on en a reçu une trentaine, je crois. Alors en sachant qu'il y a aussi des gros durs hein, de la création de niveau qui nous en envoient 6 d'un coup. J'en sélectionnerai jamais plus de 1 par personne, mais il n'y avait pas de limitation en fait. On pouvait envoyer autant de niveaux qu'on voulait. Et combien de prix de cartes Amazon ? Alors c'était pas défini quand on a dit justement parce qu'on voulait pas. On savait pas combien on allait avoir de niveaux, donc, et surtout des niveaux de qualité, parce que maintenant il faut les choisir sur la qualité. Je pense qu'au final ça fera. On fera un chapitre, c'est-à-dire qu'il y aura 5 niveaux normaux et un niveau avec une clé, donc ça fera 6 niveaux. Nous ça nous coûte du coup 300$, c'est pas la mer à boire pour ce genre de promotion. Quoi. Ça va. Et ensuite, il y avait un problème avec les trailers. Donc le trailer, le premier que vous avez vu, justement, il y a un gros souci. Mais on avait déjà fait un autre, et c'est celui-là que je vais vous montrer. C'est celui de la sortie PC. Donc il y a quand même un gros problème dès le début, c'est qu'on a 20 secondes de pas de gameplay. Je me suis dit c'est cool de voir le petit cobot qui dort, c'est mignon, mais je suis pas sûr qu'on comprenne vraiment qui dort. Ensuite les séquences sont rythmées par rapport à la musique, on passe toujours à un autre écran quand la musique change un peu. Ensuite, il y a une séquence assez basique où on présente plein de niveaux différents. Bon, moi, je l'aime bien ce trailer, mais c'est vrai qu'on pouvait pas l'utiliser pour la sortie iOS parce qu'il manquait des choses à l'intérieur. Ça aurait pas suffi de rajouter juste les logos à la fin. L'intro, donc on la voulait un peu plus courte et un peu plus dynamique, parce que là c'était vraiment en 20 secondes. Je pense que sur YouTube il y a beaucoup de gens qui ont déjà déconnecté. On voulait une ambiance posée, alors là c'était quand même posé, hein, c'était pas non plus la grosse foire. Mais quand on joue au jeu, c'est vraiment encore plus posé que ça. C'est pas aussi joli que ça. Moi j'ai pas de problème à mentir un petit peu dans les trailers, c'est-à-dire que là il y a une musique. Un peu entraînante et tout ça, même si c'est pas comme ça dans tous les niveaux du jeu, je trouve que ça vend quand même mieux le jeu. Mais bon, là on s'est dit, tentons l'honnêteté et faisons une ambiance vraiment complètement posée comme dans le jeu, ce que vous allez voir après. Fallait enlever le curseur, fallait enlever le curseur, et d'ailleurs pour faire les captures ça a été marrant puisque bah, du coup j'avais un bouton pour enlever le curseur mais moi je ne voyais plus le curseur donc je me suis bien amusé. Souvent je cliquais n'importe où, je savais pas où était la souris. Et en plus d'ailleurs sur le trailer qu'on a vu il y avait deux curseurs différents sur le trailer de lancement. Il y avait un ancien et un nouveau. Et il fallait absolument afficher les icônes, donc on voit là, c'est-à-dire l'icône du jeu pour qu'on la reconnaisse bien dans le store et puis download on the App Store, get it on Google Play. Parce que alors, d'ailleurs, j'ai remarqué que dernièrement, on n'utilise plus le terme acheter, hein, c'est vraiment get, on prend.
comme ça, on a moins l'impression de payer, j'ai l'impression. mais App Store et Google Play ont décidé de dire on paye. La France, c'est pas payant, les marques est free. Donc c'est get, free. Mais jamais balle, finalement. Et donc, ça, c'est le trailer qu'on a fait pour la sortie iOS. Donc, j'ai pas pu m'empêcher de mettre quand même une intro, mais plus courte et un peu plus dynamique. La musique, je trouvais, représentait plus la réflexion. Et puis surtout, on se permet de bien mettre une grosse mosaïque à la fin pour montrer. Ah, regarde, il y a plein de niveaux. Et puis ça se referme maintenant, tu ne peux pas tous les voir. C'est peu dragué. Voilà, donc on l'a fait. À chaque fois qu'on fait des trailers, d'ailleurs, on le fait conjointement avec Yann, parce que moi, j'aime bien partir de la musique pour rythmer des trailers. Pas forcément actuel, c'est ce que je fais. Pour travailler la communication, on a aussi été sur pas mal de salons. Alors j'ai tout regroupé dans communication. Et puis je peux utiliser le terme marketing parce que voilà, je savais pas comment l'utiliser correctement. Donc, alors là, c'était un peu le salon pour se faire plaisir. C'était le Tokyo Game Show. Et alors on y a été parce que moi je voulais des vacances. Et l'artiste aussi, Géro, voulait des vacances. Et du coup, on en a profité pour aller au Tokyo Game Show, et c'était tout payé par Sony, donc nous on n'a rien payé pour ça. Et c'était payé par Sony parce que c'était une opération qu'ils faisaient avec les indépendants. Donc c'était pas parce qu'on était maqués avec Sony, hein. C'était juste parce qu'on voulait aller au Tokyo Game Show. Ils ont sélectionné des jeux venant de plein de pays différents, et on a été pris, donc du coup j'ai fait chic-chic. Donc on avait un tout petit box comme ça, hein. C'est pas très grand, hein. Je sais pas si vous voyez. À la japonaise, voilà. Et, mais ça va, en fait, ça s'est quand même super bien passé. Et puis, alors, on n'a jamais eu de prix pour Tetro Haute, mais on a quand même eu une nomination, il a fallu qu'on aille au Japon pour aller la chercher, de Weekly Famitsu. Donc, voilà. Je crois que ça n'a débouché sur rien du tout, hein, mais quand on revient le lendemain, parce qu'en en fait, ils se baladent le premier jour, et ensuite ils reviennent le deuxième jour, et ils mettent des trucs sur les stands, et quand on voit ça, d'abord on fait, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qui a saboté mon stand? Et après, tout le monde prie devant nous, donc on est là. Ensuite, on est allé à la Casual Connect à Amsterdam. Donc là, on voit Psychobot qui fait un selfie. La bourse, voilà, Amsterdam. On avait aussi un minuscule stand, donc c'est ce qu'on voit, c'est à peu près la même taille. Quoi. Et des pièces de Lego pour tenir les feuilles imprimées. Gros budget. Et donc là c'était la première fois je crois qu'on avait la version mobile vraiment sur un salon. Au Japon on n'arrête pas de dire oui ça va sortir sur mobile, ça va sortir sur mobile. De toute façon on n'avait pas besoin de le dire puisqu'ils nous posaient la question. La seule question c'était est-ce que ça va sortir sur Android. Puisque le PC il s'en fout un peu et les consoles sont en déclin au Tokyo Game Show. Donc Casual Connect c'était très inintéressant. Pour nous, puisque c'est des gens qui voulaient absolument nous vendre des joueurs ou nous vendre des trucs que nous, on veut pas acheter les joueurs. Voilà. Donc ça nous intéressait pas trop, mais par contre ça nous a permis donc du coup de discuter avec Tiny Build et de voir si c'était intéressant ou pas de travailler avec eux. Et de voir d'autres personnes, donc il y avait plein d'autres Français, il y avait Miklo de Outzer, enfin Outzer, le jeu fait par Miklo. Il y avait Neko Entertainment avec Ripley, à côté de nous on avait Shuffle, je sais plus comment il s'appelle, non c'est pas celui-là, mais enfin en tout cas on a découvert des nouvelles personnes là-bas, donc c'est quand même intéressant, et puis Amsterdam c'est pas très loin, et encore une fois c'était tout payé, donc même l'hébergement, il y a juste le transport, il me semble qu'on a quand même payé, mais bon j'étais tout seul.
La GDC. Alors là, la GDC, justement, on a profité du fait qu'on avait Seasons After Fall à montrer avec Focus sur un autre stand et d'avoir ce contact freelance aux États-Unis qui était organisateur du mix. Alors, ceci dit, il ne nous a pas pistonné, je ne pense pas. On avait Seasons After Fall et Tetrovote de sélectionner. Et donc, je crois que vous avez plus montré Seasons After Fall que Tetrovote. Visiblement, ouais, tu vois, il y avait un gros écran. Là. Oui, voilà. C'est sûr que le renard attire plus. Ça, c'était avant que je parle. C'était un super live. Le deuxième iPad, attends, pas le premier, le deuxième. Pas qu'on me le. Ouais, on sait pas encore, on sait pas. Donc voilà, je sais pas si ça a vraiment sorti, si servi pour être sur Box. Ça. Bah après, moi, la GDC, là, c'était Media Edition, donc c'était une soirée premier jour la GDC. Il y a peut-être trop vite. Il y a des mecs de Google qui sont venus sur le stand Season, on leur a montré peut-être trop vite. Et le mec, il m'a dit, bah, tu me dis quand vous sortez. Et les featuring, après, on sait plus grâce à qui on est là ou grâce à qui on est là. Ouais, c'est ça. Mais ceci dit, ça fait quand même des papiers où Tetrobot est sélectionné dans le Indie Exchange sur Internet, donc potentiellement ça ramène des gens. Puis bon, c'était le bonus, on va dire, on allait surtout pour Seasons. Là où c'était pas tout frais payé, mais c'était. Je vais pas dire de bêtises, mais c'était 200$ ou 300$, je crois, pour une courriette, quelque chose comme ça. Voilà. Et le dernier en date, c'est le Stunfest. On y a été donc, c'était il y a 2 semaines, je crois. Oui, 2 semaines. Et alors là, je me suis dit, bon, il y a un truc que j'ai envie de faire depuis longtemps, c'est avoir une énorme tablette tactile, enfin, télé, quoi, finalement. Et qu'on puisse, voilà, on voit peut-être un peu mieux au niveau de la taille. C'est génial. Et donc, on pouvait jouer à Tetrobot sur cette grosse télé. Et ce qui est bien, c'est que ça amène du monde. En fait, j'avais vu quelqu'un à Casual Connect qui avait fait. Pas ce genre de choses, mais qui avait été assez intelligent pour mettre une télé en hauteur, parce que souvent les développeurs le mettent là sur la table, comme ça. Et donc quand on joue devant, personne ne voit derrière ce qui se passe. Il avait mis sa télé en hauteur, et c'était juste super, parce qu'on le voyait depuis tout le salon. Et moi je me suis dit, on va faire pareil, bon, on voit bien qu'elle n'est pas en hauteur en fait. Un peu trop penchée, mais je ne pouvais rien y faire. C'est le Stunfest qui a payé la location de la télé. Moi j'ai juste payé l'entrée exposant comme tout le monde. Mais voilà, ça a été vraiment super. Et en fait, j'aurais aimé faire ça depuis le début, en fait, parce que c'est la meilleure façon de montrer Tetrobot. C'est un énorme écran et le plaisir du tactile. C'est la version PC ou la version mobile qui tourne dessus? C'est la version PC qui tourne sur cet écran. Mais c'est là où ça montre qu'on avait quand même bien réfléchi à nos contrôles dès le début. Et au final, ça fonctionne. Il n'y a pas besoin d'avoir de multi-touch ou quoi. C'est vraiment juste une simulation de la souris. T'as désactivé l'affichage du curseur? Oui, on a désactivé le curseur parce que c'était pas beau. Vous voyez que C'est ça. Mais ça fonctionne pareil. Et après, c'était les niveaux. Alors, par contre, c'est la version PC avec les niveaux de l'Android. Donc, Et donc chercher un featuring, c'est la dernière chose dont je vais parler. Donc on a encore fait appel à notre freelance en lui disant parle à Apple, parle à Google de notre part. Nous, on l'a aussi fait par des contacts proches qui avaient déjà sorti des jeux sur Apple et sur iTunes, sur App Store, donc, 3000 mois. Et sur Play Store, on a eu des contacts de gens qui gèrent ce genre qui font l'éditorial. Quoi. Et donc qui a réussi à nous featurer? Je ne sais pas si c'est je ne sais pas si c'est moi tout seul, et je ne sais pas si c'est la personne que tu as rencontrée aux États-Unis. Ce qui est sûr, c'est qu'on a. De quoi? À San Francisco, on a donné. C'est de ton corps. Hein. Tu as donné l'iPad. C'est ça. Et du coup, on ne saura probablement pas qui a réussi à nous avoir un featuring. Mais on l'a quand même eu. En fait, on a essayé juste simplement de multiplier nos chances pour en avoir. Quitte à les embêter, il vaut mieux. Enfin, qu'on y nous consigne parfois. Et donc ensuite, une fois qu'on se dit bon, ça a l'air d'être plutôt bien parti, parce qu'ils disent pas hein, si on va être featuré. On sait que le jour de la sortie du jeu. Ou plus tard, vous allez voir. Donc ensuite, il y a plein de choses à faire. Je laisserai Guillaume parler des joyeusetés techniques, parce que c'est pas facile d'uploader un jeu sur ce genre de store. Mais avec Géraud, l'artiste, on s'est dit, bon, bah, il faut qu'on crée toutes les bannières et tout ça. Donc on était parti sur quelque chose comme ça.
C'était, on faisait des allers-retours avec le freelance qui nous donnait des conseils aussi. Du coup, c'était un peu trop Jonas, c'était pas, et puis le petit blob, il tire la tête. Donc après, là vous n'allez pas le voir, mais moi j'ai dit, Géraud, tu peux le faire sourire, s'il te plaît, sur l'image, comme ça donne une meilleure image du jeu. Et donc on a gardé un espèce de, voilà, de vert, et puis il y avait le contraste avec le bleu qui était sympa, avec le rouge, enfin, ça passait bien. Ensuite, on nous demande bien sûr de faire 3000 versions, hein, de cette bannière. Donc, on essaye de mettre les éléments tous les uns à côté des autres comme on peut. Là, c'est pire. Hein, voilà. Ensuite, il y a vraiment des toutes petites résolutions. Donc là, on voit même plus le robot. Mais en même temps, si on l'avait mis en double, ça aurait fait trop par rapport au logo. Et ensuite, véridique. Cette icône. Je ne sais pas à quoi ça sert. Mais ça sert probablement à quelque chose. Hein, cette icône. Il faut choisir les screenshots à mettre sur le store. Nous, on a décidé de partir avec 5 screenshots réels et une illustration. Évidemment, comme il y a plein de types de téléphones différents et de résolutions différentes, on nous demande des résolutions différentes pour les screenshots. Ça fait ça, du coup, comme masse de travail. Et après, donc nous on l'a pas fait heureusement, mais il y en a qui localisent les textes, c'est-à-dire qu'ils mettent des textes. Et c'est vrai que ça attire plus l'œil en fait, ça sert beaucoup au marketing. Nous on a dit, tant pis, on le fait pas. Et si vous voulez localiser les textes, ça veut dire que vous devez faire à peu près ça, comme masse de travail. Alors il y a moyen d'automatiser des choses, mais vous allez devoir vous débrouiller tout seul en fait, pour trouver la solution, pour faire les choses rapidement. Ensuite, la vidéo, ça, c'est de plus en plus important sur les stores, à la fois iOS et Android. Nous, on a dû prendre une partie de notre trailer, donc moi je me suis dit, cool, on va mettre le trailer et puis ça va fonctionner. Alors, déjà non, parce que je peux le faire en plein de versions différentes, plein de résolutions différentes. Et ça n'allait pas parce qu'au dernier moment, on découvre qu'en fait, il y a une taille limite, tout simplement, soit de l'upload, enfin pour le poids, soit pour la durée. En fait. Donc, j'ai dû réduire le plus possible. Je me demande si j'ai pas un peu accéléré à un moment donné la cadence. Ça va, ça passe. Ensuite, il faut faire le texte des stores. Donc, on a pris le même hein, pour iOS et pour Android. Comment ça se passe? On a fait le plus important, c'est d'écrire le jeu rapidos. Alors, moi, j'ai complètement pompé, je crois, sur. C'est pas les mêmes mots, enfin, mais j'ai pris la même structure. C'est-à-dire, j'ai vraiment fait, ok, on va raconter ça ici, et puis après, on va dire les quotes. Donc, c'est diabolique, clever level design. Et ensuite, les key points avec des textes en majuscules pour montrer ceci est important. Et c'est surtout que, en fait, moi j'y connais rien, parce que ça c'est vraiment basique hein, au final. Mais j'y connais rien trop au formatage de texte sur les stores, donc on a fait de cette façon-là. Et à la fin, de toute façon, ce que voient vraiment les gens, c'est ça. Parce que il faut cliquer sur un bouton pour voir le reste. Donc c'est important de le faire, mais le plus important finalement, c'est ces deux petites phrases-là, ces deux, trois phrases au début. Donc celles-là, on les a bien bossées le plus possible avec le freelance. Et enfin, on arrive à la fin. Faire l'icône. Donc, on était parti au début sur quelque chose d'un peu plus. Je l'ai pas là, mais sur. On voyait plus la tête de Psychobot en rond, donc ça faisait une icône ronde, quoi. On le voyait de face comme ça. Donc, on voyait pas les antennes et les pieds. Et puis après, on s'est dit non, mais on va faire un peu. On va faire un peu plus punchy. On va foutre de la couleur et puis on va mettre une spirale pour attirer l'œil et puis on va mettre des carrés pour renforcer la spirale, enfin, des cubes. Voilà. Donc on fait ça, on le met sur iOS, sur Google Play, et puis on a été featuré. Mais pour être featuré sur Android, ils nous demandaient de retoucher l'icône parce que, évidemment, ça, ce que vous voyez, c'est l'icône fait pour iOS. Mais l'icône Google, c'est ça. C'est très important. Donc, bah, c'est bon, on a, quand ils nous ont demandé, on n'a pas dit. On a pas, on l'a fait. Hein. Je veux dire, voilà. Non, c'est pas très long à faire. Parce que de toute façon, on part pour
pour faire ça, on part d'une base carrée et c'est Apple qui lui-même fait le masque. Donc, ça, c'était pas cool. Donc on a été featuré, on a quand même réussi, dans les new games sur iOS. Je suis pas sûr qu'on était dans à cet endroit-là. Je pense pas qu'on était troisième dans la liste. Je pense qu'il fallait un peu scroller sur le côté. Mais bon, pour le screenshot, ça fait bien. Et sur Google, on a été featuré un peu plus tard, 2 semaines après la sortie, je crois. Voilà, donc une fois qu'on a fini, on est très content de soi. Et les résultats, on va voir si vraiment on est des génies. Je pense pas. Humble Bundle, donc il y a eu 80 000 ventes, et du coup, notre part, c'est 30 000 $ en 2 semaines. Donc, pour 2 semaines d'exploitation, ça va. C'est bien.